Un petit gris du Maroc. Mesdames et messieurs, si vous êtes à table, bon appétit. Alors ce soir, au menu, c'est pâte chinoise. Pâte chinoise avec une petite préparation à ma façon. Je fais revenir dans l'huile d'olive des poivrons, des tomates, des oignons. Ensuite, je mets les épices qui sont vendues avec les pâtes chinoises. Un petit coup de sauce de soja. Je fais diminuer tout ça à la poêle tranquillement. Et ensuite, mes pâtes chinoises, je les cuis 2 minutes. Et voilà. Bon appétit, hein. Super, avec ma petite préparation de légumes, voilà, ça fait toute la différence. Voilà, et avec ce petit coup de rosé, elle est pas belle la van life, elle est pas belle la vie. Voilà où je suis posé, tu vois, aujourd'hui on est samedi, je suis dans un endroit vraiment, oula, à couper le souffle. Je suis posé ici depuis 3h30, 4h, et j'ai pas vu une voiture passer, pas un vélo, pas une mobylette. Les seuls bruits de fond que j'entends, c'est des vaches et des poules, mais dans les collines avoisinantes. Là-bas, il y a le chemin qui continue, tu vois, regarde. Je te fais un tour à 360 degrés. Je suis dans un endroit magnifique. Il y a quelques fermes au loin dans les collines. Voilà, tu vois, voilà où je suis. Alors, je suis dans un bel endroit là. Ah, le calme absolu. J'ai super bien dormi. Là, ça fait partie des petits plaisirs de la van life ou de la vie nomade. Voilà, de se retrouver parfois dans des endroits top comme celui-ci. C'est pas toujours le cas. Il y a des fois, on dort aussi sur le bord de la route, on dort sur un parking. Bref, c'est pas toujours top, hein. C'est pas toujours paradisiaque comme on le voit sur certaines chaînes. Voilà, c'est aussi des galères souvent. Mais en tous les cas, là, je suis dans un endroit top. Je vais te faire voir ça. Attends, je vais éteindre la lumière. Je te fais voir ça. Regarde, je te partage ça un peu, regarde ça. Regarde ça. En fait, j'ai dormi sur le bord d'un chemin. Dans un espace un peu montagneux comme ça.
Et je suis arrivé là hier après-midi, il devait être 13h. Une voiture, j'ai vu passer hier, c'est tout. Un pick-up. Une voiture et une mobilette. Regarde, regarde le calme. Tu vois le chemin là-bas, là, tout au bout, là, qui poursuit dans les collines. Voilà, regarde ça. Waouh! Bonjour, salut à tous, je te souhaite une bonne journée hein. Et un bon dimanche parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Bon, eh ben, je vais me lever et puis je vais me préparer le petit déj. Allez, à plus. Bon, alors je te présente Louloute. Elle a une histoire. Elle a une histoire. Je l'ai avec moi depuis une semaine. En fait, il y a plus d'une semaine, je me gare dans un endroit pour passer la nuit, dans un endroit improbable, un endroit tranquille. Et le soir, vers les 22h30, j'ai un petit chien qui vient se mettre quasiment sous le camping-car. Voilà. C'était pas Louloute, il était de cette taille-là, petit chien marron. Et au moment où je vais pour remonter mon marchepied, enfin, etc., je le vois. Et il me regarde avec des yeux, vraiment, ça m'a fait mal au cœur. J'ai pas pu résister, j'ai pas pu faire autrement que de le prendre avec moi et de le mettre dans le camping-car. Et ensuite, à la lumière, j'ai vu, il était bourré de tics. Il avait des milliers de tics sur lui dans les oreilles, il avait des chapelets, des grappes, etc. Donc pour faire face à l'urgence, j'ai du frontline avec moi, je l'ai badigeonné de frontline, enfin voilà. Ensuite, le lendemain matin, il n'était pas très bien, il avait un ventre énorme, il était gonflé, enfin voilà. J'ai appelé une amie qui s'occupe d'associations, enfin ou de fondations, pour récupérer quelques chiens qui traînent, enfin sauver des chiens errants du Maroc. Il faut dire qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et elle m'a dit, écoute, garde-le, on va faire ce qu'il faut, on va t'aider, tu vas l'emmener chez le vétérinaire pour le faire examiner, etc. Louloute, arrête Louloute, voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait, je l'ai emmené chez le vétérinaire m'a dit, il est infesté de vers, il faut le vermifuger, de parasites intestinaux, c'est pour ça, il m'a dit, il est en hypothermie, il a presque plus de sang dans le corps, enfin bref, il était vampirisé par tous ces tics. Il lui a fait des piqûres, des injections, on a fait ce qu'on a pu. Deux jours après, il est mort dans mes bras. Il est mort dans mes bras, c'était un peu, j'en parle quand même encore avec émotion, j'ai encore ces images, parce qu'il a eu un dernier râle, un petit gémissement, comme si on lui faisait du mal. Et ensuite, il est mort, voilà. Je vous passe les détails, j'en avais partout mon pantalon, enfin bref. Bon, c'est comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu, on l'a sauvé, voilà. Il y en a des milliers au Maroc hein, qui meurent dans ces conditions-là, etc. Je pars dans la montagne, à une heure de route d'où j'étais, je l'enterre. Je n'ai pas creusé un trou, mais j'ai recouvert de pierres, enfin etc. Et ensuite, je me pose sur un parking dans un endroit assez touristique, hein, aux cascades d'Ouzoud exactement. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous mettrai des plans des cascades d'Ouzoud que vous allez voir tout à l'heure. Et ça faisait pas une heure que j'étais sur ce parking. Je vois Louloute qui passe devant moi, devant le camping-car, toute sale, toute poils collés, enfin, etc. J'essaye de l'attraper, évidemment impossible, parce qu'à mon avis, elle avait dû prendre plus de coups de bâton que de caresses. Et j'ai réussi à l'attraper. Alors, j'ai rien inventé, hein. J'ai pris des madeleines avec moi. J'ai jeté une madeleine à 3 mètres, elle est venue la manger, puis une à 2 mètres, et puis une à 1 mètre, et jusqu'au moment où elle est venue manger la dernière madeleine dans ma main. Et là, évidemment, je l'ai attrapée. Elle avait, alors évidemment, elle n'était pas dans l'état du premier que j'avais appelé Lucky. Lucky, chanceux, bah, pas tant que ça, mais bon. Elle n'était pas dans son état, elle avait quelques tics, elle était toute sale, enfin bref.
Je l'ai vermifugée, je l'ai douchée. Ensuite, elle a eu sa dose de Frontline 2 jours après. Et ça fait une semaine qu'elle est avec moi. Et voilà. Et maintenant, elle a déjà été adoptée en France, enfin en Belgique. Il y a des gens qui l'ont vue, voilà, par le biais de mon amie, la Caroline. Et voilà. Alors, on est en train de faire ce qu'il est nécessaire de faire pour l'emmener avec moi quand je rentrerai, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sérologie, c'est-à-dire, évidemment, elle va être vaccinée contre toutes les maladies, pyroplasmose, leptospirose, enfin, etc., etc., contre la rage, évidemment. Et puis ensuite, on va faire la sérologie pour que Mademoiselle Louloute puisse regagner le continent européen dans de bonnes conditions. Elle est mignonne, elle est adorable. Au départ, ma toutoute à moi, Prisca, un petit peu de jalousie, hein, c'est normal. Bon, maintenant, ça y est, elle s'est habituée. Le soir, Louloute, elle va même se coucher entre les pattes de Prisca. C'est dire si, voilà. Alors, elle me fait des petites bêtises quand même dans le camping-car. Hein. Elle mordille un petit peu les meubles, elle me grignote des petits trucs. Mais bon, c'est de son âge, hein, en même temps. Hein, Louloute. Elle obéit pas toujours très bien quand je la sors. Hein. Hein, elle en fait un peu qu'à sa tête des fois, hein, sa tête de mule. Voilà, mais sinon elle est adorable, elle est mignonne. Quand je conduis, elle demande, elle vient sur mes genoux. Bon, je sais que c'est pas bien de faire ça, mais bon, hein, Louloute, hein, tu viens sur mes genoux et puis on roule comme ça ensemble. Voilà, hein, voilà. Voilà l'histoire de Louloute. Alors là, je suis dans un endroit, je vais te partager aussi un petit peu d'images de l'endroit où je suis. Je suis au milieu de... J'ai pris un chemin comme ça qui quittait une petite route. Et je me suis posé là sur le bord de ce beau chemin, bien empierré, bien encaillouté. Mais je suis posé là depuis, ça va faire 4 heures maintenant que je suis là. J'ai pas vu une voiture passer, ni un vélo, ni une mobylette. À part deux gars qui gardent des troupeaux de moutons. Voilà. Hein ? Alors je voulais te présenter Louloute parce que voilà. Louloute, elle va faire un petit bout de chemin avec moi, un petit bout de route avec moi. Avant de trouver un foyer avec une maman, ou un papa, enfin je ne sais pas encore. J'ai beaucoup de prétendants, hein, de prétendantes, hein, pour Louloute, hein, déjà. Hein. Il y en a beaucoup, hein, quand ils ont été touchés par la... Elle est mignonne, je ne sais pas ce que c'est. Hein. On ne sait pas ce que c'est comme race Louloute. Hein. Elle a les oreilles qui ont tendance à se redresser de temps en temps, comme un berger. Voilà, est-ce qu'elle aura les oreilles droites? On ne le sait pas encore. Voilà. Allez, Louloute, elle n'est pas habituée à la caméra. Elle s'impatiente un peu. Pourtant, on vient de faire une grande balade. Hein. On vient de faire une grande marche. Hein. Hein, elle est mignonne comme tout. Voilà. Allez, je te laisse. Et puis, je te reprends plus tard. Hein. Je te ferai voir des images d'Ouzoud, comme je t'ai dit. Des images de l'endroit où je suis. Tu reverras des images de Prisca et de Louloute. Enfin, voilà. Hein. On va faire un patchwork d'images de Louloute et puis de paysages. Allez, je te reprends plus tard. Voilà les petits qui trottinent devant moi, la petite là, la petite dernière arrivée, en attendant qu'elle retrouve son futur papa et sa future maman. Je vais essayer avec les toutous d'aller jusque tout là-haut sur la colline, tu vois, jusque là-haut là. On va essayer de descendre et on va faire tout ce chemin là. Thank you.